Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon, chers amis. Donc nous sommes toujours à Trin, voilà, c'est à Trin Enterprise. On va aller voir s'il y a quelques missions à faire dans le coin. Continuer à augmenter notre relation avec ces factions, ces sous-factions. Et on verra bien ce qu'on peut y faire. Alors. Parfait. Donc donner 300 000, vous pouvez vous les mettre où je pense. Faut être amical. D'accord, bon bah ça je peux me mettre dans le fion. Ou alors je leur donne 300 000. Oh putain, ça me fait chier. Allons-y, 300 000 crédits. On verra bien s'ils me proposent une autre mission derrière. Allez, c'est bon. Mais 300 000 est la cause. Beau travail, commandant. Si vous avez un système amical, on est à peine plus cordial. D'accord, donc je me suis fait entuber. Ok. Ok, mais il y a que des trucs moisis à faire dans le coin. Mais oui. Oh. Ça, par contre, c'est rentable. Quelle distance ? Avec 99 SL, oh, t'es fou toi. AL, pardon. Je me dis aussi pour que ça rapporte autant. Et en combien de temps? Alors juste pour voir si je voulais aller à Wolf 10, ça me coûterait combien de... Enfin, ça me ferait combien de sauts? Wolf 10. Déjà, ça me fait plus d'un plein. 7 sauts. Ça pourrait être assez rapide, remarque. Ça fait 14 sauts aller-retour. Pouah. Allez, on y va. Soyons fous, c'est presque 1 million. On peut se le permettre. En plus, on risque d'avoir quelques attaques en chemin. De ce que j'en ai vu, c'est de niveau élite, chers amis. Il me semble, hein. On voit pas le niveau, c'est dommage. Il me semble que c'est un niveau élite au niveau de cette mission, pardon. Donc je pense qu'on est potentiellement dans la merde, faudra fuir le plus vite possible. Hop. Sachant qu'on doit faire le plein à chaque fois pour essayer espérer pouvoir tout simplement garder un maximum de carburant et rester le moins longtemps possible sur chaque système. Allons-y, on va booster à fond. Hop, et on y va. On se passe pas déjà à voir directement à l'extérieur. Allez, 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 allez. Allez. Allez, hop, c'est bon. On y va, chers amis. Fouhou. Alors, compte tenu que c'est du élite, je pense que les ennemis seront aussi du niveau élite, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est le niveau le plus haut. Il faut vraiment pas qu'on se fasse arrêter le moindre instant. Ce qui veut dire que si jamais on se fait arrêter, il faut absolument booster. Booster pour fuir. Bon, là, apparemment on a personne d'autre. Ça va te permettre de scanner l'endroit. Faire le plein. On est tout seul. Parfait. Allez, pas de perte de temps. On rebaisse niveau température, c'est parfait. Et de un saut. On va se jeter dans l'aventure. GTS. On va éviter ça. On va éviter des blagues aussi moisies, s'il vous plaît, merci. Hop, 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 hop. C'est le stress. Ok. #42, #pognon.
On est encore une fois tout seul. Hein. Donc j'en profite à fond. Ah merde. Il faut que je refasse le... Merde, Crudy. Passer l'itinéraire, refaire l'itinéraire, voilà. Parfait. Et on se rebarre. Allons-y. C'est parce qu'on a de la soute. On a des choses en soute, chers amis. Vous voyez, on a 30 tonnes de soute. On a pratiquement un tiers de notre cargaison qui est prise, de notre soute qui est prise. Ce qui fait qu'on peut pas sauter aussi loin. Vous voyez qu'on commence à avoir de la vie derrière nous. Ce qui n'est plutôt pas bon signe. Honnêtement, ça va être la fuite. Hein. Ça va être la fuite et uniquement la fuite. Hein. Hop les. Fuel scooping. Vas-y, fais-moi le plein. C'est presque bon. Ah, c'est parfait. C'est absolument parfait, chers amis. Bon, on s'en sort plutôt bien. Il nous reste un total de 5 sauts à réaliser, donc 4 sauts après celui-ci. Ça pourrait être fait. Et après, il reste plus qu'à voir à quelle distance on sera du spatioport. On verra ça donc à la prochaine sortie de saut FSD. Je dois vous avouer que je suis plutôt optimiste pour le coup. On verra bien. On verra bien. Ensuite, moi, j'irai me renseigner. Sur tout ce qui est compo. Pour les améliorations FSD. On va tous être d'accord sur le fait que ce soit quelque chose d'extrêmement utile. Ok, c'est bon, on est chargé. 3, 2, 1, c'est bon. On fuit. Au niveau de la transaction, c'est au Townshend Orbital. Il nous reste plus que 4 sauts, 3 sauts après celui-ci. Ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien, c'est tant mieux. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir jusqu'à quel moment ça va, à quel moment ça va partir en sucette. C'est ça la véritable question. C'est ça la véritable question, chers amis. J'en ai plein mes poches, si vous saviez. Oh, dis donc. Je vais pas vous dire de quoi, mais j'en ai plein les poches. En fait, c'est principalement des listes de courses, hein, parce que hashtag tête en l'air... Ça c'est tout à fait moi. Ok, apparemment j'ai rien découvert dans cette zone. Allez, allez, dommage. Disengage avant qu'on ait pu faire le plein, c'est vraiment dommage. Putain, j'en ai combien de listes de course? Alors 2. 3. 4. Non, c'est pas une liste de course, c'est un dessin. Oh bah voilà. Alors, alors. Jusque là, ça va. Ça aurait pu être bien pire. Ah, voilà la boîte de conserve que je recherche. Ça, c'est par exemple, ça c'est pire. Vous voyez? Ça, c'est bien, bien, bien pire. Ça c'est immensément pire. Allez, vas-y, charge Simone. C'est bien pire. Non, c'est bon. Oulala. Va falloir faire vite, hein. On va avoir une queue de vaisseaux derrière nous, chers amis, quand on va arriver dans le système en question. Ça va être une véritable catastrophe. Vous n'avez pas idée à quel point ça va être une catastrophe. Personne me parle? Personne me parle. Potentiellement une bonne chose. Ok, on y retourne. Mais non, c'est dans ta tête. Nous arrivons donc à Wolf 10. Enfin, Wolf. Moi, je dis Wolf. C'est une Volkswagen.
Je l'ai dit à l'allemande. Bon, bah écoutez, ce sera pas si mal passé. On n'a plus qu'à voir combien de fois on se fera agresser au moment de l'arrivée dans Wolf. C'est ça qui risque d'être le plus problématique. Oui. Bon. Hop, le nom de l'épisode il est noté. Alors. Ok. On y va. Fuel scooping. Jusque là on a personne qui nous agresse. Voici là où on a la mission. C'est parfait, on s'y dirige. Par contre ça m'ennuie, on est très très loin. Donc s'il y a quelqu'un qui vient dans notre dos en fait, on sera forcément rattrapé. Parce que lui pourra se barrer sur nous et mettre à full vitesse. J'aime pas ça. Bon, pour l'instant ça va, on est tranquille. Je peux normalement gérer un petit peu mes radars. On a quelqu'un devant. On a du monde qui arrive derrière nous. Oh là là, on a beaucoup de monde autour de nous maintenant. Je crois qu'il y a du vert dans le tas, donc ça devrait aller. Ok, je suis pas rassuré quand même. Parce que là, ce qui est à droite, là, ce qui va nous passer à côté de nous, peut très bien se mettre derrière nous. Si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi je ralentis? Parce que je passe trop près de l'étoile à droite. Non! Enfin, du système à droite. De l'astre. De l'astre, ça va être mieux. Raccélère. On a du VA derrière, c'est plutôt bon signe. On se fera aider s'il y a un pépin. Alors. Oui, oui, bah je vais pas m'arrêter. Hein. Je vais pas m'arrêter pour si peu. On verra bien le moment venu, mais pour l'instant, c'est pas prévu que je m'arrête. Alors, alors. Pour 600 000, je vais pas me dire non. Hein. Je suis désolé, hein, chers amis. J'adore, sachant que je vais en donner 300 pour le plaisir. Je vais dire non, je vais refuser. Alors, on s'en approche. C'est bon. Fou. Bon. Vu ce qu'il y a derrière nous au niveau des radars, on devrait être bon. Sauf si on se fait agresser à la sortie de FSD. Enfin, de Super Cruise. Ouais, il y a que ça. Il y a que ça maintenant. On peut très bien se faire agresser avant d'entrer dans la station. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Au mieux pas que j'y pense. Oh putain. Oh. Allez, roule ma poule. Nous ne nous tairons pas. Oh, ça non. Tant mieux, écoute. J'ai jamais demandé de te taire. Enfin, peut-être que maintenant je vais le faire, mais... Mais avant, non. Les dodos ne renonceront pas. C'est un peu ça. Bon, bon, bon. Wouhou. Nous voulons notre liberté, nous la voulons maintenant. Mais tu vas te calmer, j'ai rien dit moi, j'ai rien fait. Hein. Je suis innocent. J'ai pas de prime sur moi en ce moment, juste en ce moment. Oh, je suis allié du système, cool. Je suis très copain avec, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bon alors. Tu avances ou tu avances pas? Townshend Orbital, pardon. Townshend. Townshend. Même pas. Non, c'est vraiment Townshend. Je connais pas. Je vois pas ce que ça pourrait être. Je sais pas à quoi correspondrait Shen en fait. Shend. Vous voyez, eux je les sens pas là derrière. Par exemple. Vous voyez, ils refont un tour. Ils vont se replacer derrière. Non, honnêtement, je les sens pas. Nous aurons toujours besoin d'alliés de votre calibre par ici, commandant. Oh, alors ça. Ça, c'est ce que j'appelle du léchage de cadre professionnel.
de niveau professionnel. C'est toujours agréable. Par contre, je suis en train de pousser vers le haut normalement, mon pote. Hop, voilà. On est à 1,5 km. Je peux lancer ceci. Et bien en place. Ok, on est bon. On va réduire notre vitesse à 50. Voilà. Crac, histoire de faire un véritable atterrissage en... Hop, les... voilà, un atterrissage professionnel, chers amis. Voilà, ça c'est beau. Ça, c'est véritablement magnifique. Allez, réservoir, faire le plein. Tableau de mission. Bonjour, je viens empocher 600 000 crédits. Fais pas telle la monnaie. Pas en pièces de 1, s'il te plaît. S'il te plaît, pardon. S'il te plaît. Fétichiste des pieds, peut-être. Alors, donc, livrer 31 de marchandises, d'accord. Excellent travail, commandant Marcus Bonus. Je me ferai un plaisir de travailler de nouveau avec vous. Chacobog Defense Party connaît une forte croissance qui pourrait déboucher sur un boom économique. Parfait, 600 000 crédits. Bah écoutez, si vous continuez à payer comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Nos sous-sailles. Hein. Alors. Écuyer Ernie Wimmer. Alors, est-ce que nous, on va normalement se diriger... Ok. Vers Chacobog. Mais si tu n'as rien qui se dirige là-bas... Apparemment, ce n'est pas le cas d'ailleurs. Chacobog. Non, ils n'ont rien. Bon. Au niveau du marché, chers amis, moi je vais faire un petit check-up pour voir si on peut ramener des choses directement sur place ou pas. Voilà, à tout de suite, chers amis. Voilà, chers amis. Donc. Apparemment, je peux acheter des supraconducteurs ici. Si c'est le cas, on va se faire un plein de supraconducteurs. Voilà. Donc là, il est vendu 5600. Tiens, c'est rigolo ça. Apparemment, mon truc n'est pas à jour. Il est vendu 5600. Sur le site, il est vendu 6400. Ça m'inquiète. À vrai dire, ça m'inquiète un petit peu. On va faire le plein, c'est pas grave. On verra bien. Donc j'en ai pour un total de 804 000. Je vais noter ça quand même quelque part. Hop, je prends mon crayon. 800. On va mettre même 805. Non, 804. 800. 4K, voilà. Je les achète. Pratiquement 1 million quand même. Voilà, donc on est full. Et donc on va avoir un peu plus de... À mon avis, on va avoir déjà un petit peu plus de monde sur la route avec nous. Enfin, derrière nous. Ensuite, on risque d'avoir aussi un peu plus de monde directement dans le système en question. Il me semble que je l'avais mis de façon ici. Chacobog farm qu'une fédération, effectivement. Ici, on a donc un total de sauts de, on en avait 6 tout à l'heure, 7 tout à l'heure, de 10 sauts total avec notre cargaison remplie, enfin en tout cas notre soute remplie de délicieux crédits potentiels. Donc ça pourrait être sympa. Ça pourrait honnêtement être très sympa. Ok, on y va. Hop, et on commence par faire quelques sauts. Alors, là potentiellement, je dirais que si on, même un, si on a un profit de 10%, même 10% ce serait sympa. 80 000, c'est pas mal. Après, je serais pas contre un petit peu plus, hein, mais. Et honnêtement, je suis inquiet de voir. De voir mon site pas aussi précis que ça. Ouais, je suis inquiet de voir mon site pas si précis que ça. Oh là là. Ça y est, les rapaces sont là. Les rapaces sont là. Je peux vous assurer qu'on est dans la merde.
On peut risquer le... comment le... la surchauffe. Honnêtement, il vaut mieux la risquer même, je dirais. Ok, c'est bon, on s'en sort. On nous agresse déjà verbalement au premier saut, hein, pour que vous vous rendiez compte. On a une cargaison qui vaut 800 000 crédits. Ce qui n'est pas rien. En plus de nos... enfin, en plus de nos drones, quoi. Je crois que c'est 100 crédits pièces, hein, donc c'est pas... c'est 802 000 crédits, je crois que j'en avais acheté une vingtaine. Donc là on est tranquille, on peut se permettre de faire le plein un petit peu. Ok, on y retourne. Parfait, Mistana, c'est joli comme nom. C'est très 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 joli comme nom. Pour l'instant ça va. On a eu une petite frayeur en début, mais ça va. Quand même un petit peu, soyons honnêtes, ça m'inquiète un peu. Un petit plein, on a personne avec nous. Ok, on y retourne. Parfait, on y va. Dieslick, c'est moins joli. C'est un petit peu moins joli. Toujours pas d'agression supplémentaire? Non. Non, non, non. Ça m'inquiète un petit peu quand même, hein, aussi rapidement. Mais enfin bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, alors. Hop. On se permet de refaire un plein, il n'y a personne. Il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Hop. On se barre. On se barre, on se barre. Vali, c'est joli aussi. 6 sauts restants. Bon, ça se passe pas trop trop mal. Ça ne se passe pas trop mal. Honnêtement, je m'attendais à pire. J'espère vraiment qu'ils vont me les récupérer sur place. Maintenant, je commence à douter de mon site. Ok. On continue. On a personne dans le coin apparemment. Tant mieux. Je continue à me faire de l'explo. Ok, on est bon. Alors c'est fail secteur, c'est parfait. On se rapproche de notre secteur précédent, vous vous rappelez, c'est fail. 31 c'est fail, je crois qu'on était. Donc, your location, alors loop. Non. Montez au système, chers amis, montez au système, système, je ne me rappelle plus. Nous serons au système Shacklebug. Monter au système Wolf 10, je crois, de mémoire. Fuel scooping. Fuel scoop disengaged. Wolf 10, alors voilà, on a trouvé encore un autre truc. Excusez-moi, je suis en train de chercher en même temps pour m'assurer que je vais me faire du pognon parce que j'ai des doutes. Je commence à avoir des doutes et c'est vraiment pas bon d'avoir des doutes à ce moment-là. Ok. Ah, j'aurais pu me faire mieux. Et non, là aussi, ici, ils sont pas au même prix. Ah, intriguant. Ils n'ont pas le même prix ici, mais apparemment, il y avait le gold qui était mieux.
Il y avait le gold qui était mieux. Bon bah écoutez, c'est comme ça hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. De toute façon, ce sera fait un petit peu de crédit sur l'exploration si ça rattrape un petit peu ce qu'on n'aura pas, ce qu'on aura perdu finalement à l'achat. C'est pas grave. J'espère me faire quand même plus que 800K. Ouais, j'espère. J'espère. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète un peu. On verra bien. On verra bien. Oui, ça me démoralise à moitié. Cargaison pareil, comment t'as fait pour arriver jusqu'ici? Bah écoute, j'ai couru. Comment t'as cru que je suis venu? Ok. Alors lui, il se met déjà en position. Putain. J'aurais dû regarder ce que c'était comme vaisseau. Un piton létal, non. Fuite. Ok. Manœuvre d'esquive. J'esquive pas grand chose. Hop les. C'est bon. On a réussi à esquiver et à fuir. Parfait. Un piton létal, je fais pas le poids. Pas avec la cargaison comme ça remplie, je vais être trop lourd, beaucoup moins maniable. C'est vraiment pas bon. Tout ce qu'il faut pas, c'est qu'ils nous suivent. Ok. Parfait, on peut y aller. Chacobog, on y est presque, chers amis. On y est presque. C'est une bonne chose, c'est une excellente chose. Ah putain, j'ai un tic de merde avec ma dent, je suis désolé. Oui, parce que j'en ai plus qu'une maintenant. Non, je rigole. Faut exagérer non plus. Mais oui, j'ai un tic de merde avec mes dents, c'est chiant. Vraiment que j'arrête de le faire, je serre les dents en fait. Ok. Non, c'est pas celui-là. Voilà, le voilà. Ok, on est dans la bonne direction en plus, c'est parfait. On y va. Il y a quelqu'un qui nous a parlé? Non, c'est bon. On est tranquille. Bon. Il n'y a plus qu'à espérer que ça se passe bien. Et qu'on ait un bon revenu. Allez, un petit 100 000, ce serait bien, ce serait génial. Je serais heureux avec un petit 100 000 de bénéfices, honnêtement. C'est dommage qu'on voit des gens faire ce genre de choses, enfin des IA faire ce genre de choses au niveau des trucs. Regardez les formes qu'ils prennent quoi. Bon, c'est rigolo, ça a le mérite de se dire que ça fait humain en fait. Voilà. Parce qu'on est toujours en solo en ligne, chers amis, je le précise. Comme il m'arrive de rester un petit peu plus longtemps que prévu, par exemple, vous voyez, comme pour regarder des trucs sur internet à côté, je préfère jouer en solo en ligne, comme ça je dérange personne en fait dans les stations tout simplement. Et on verra le moment venu quand je ferai un groupe ou n'importe quoi. Voilà. Alors, c'est qu'on en met du temps en plus, dis donc. Niveau explorateur, on est toujours rang éclaireur, 93%. Je pense que ça va changer là. Honnêtement, je pense qu'on va, changer. Pour avoir le bénéfice qu'on a fait aussi, vu que j'ai noté 804K. Je ferai le calcul vite fait.
On verra le bénéfice que je me fais. Bon, 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 jusque là ça va, ça se passe pas trop mal. On était à 45% entrepreneur aussi, il faut noter ça. Même si maintenant c'est plus un niveau qu'une nécessité. Enfin, c'est un niveau et plus une nécessité, justement. Alors, Trin Enterprise, on y est. Bon. Ne stresse pas, Marcus. C'est pas parce que t'as plein de vaisseaux devant que tu dois stresser. Plus facile à dire qu'à faire. Oh, je vais me retrouver avec 4 gars derrière moi quand je vais sortir du super cruise. Ça va être d'une violence. Putain, j'ai une crampe dans le poignet. Enfin, dans la position que j'ai sur le joystick. Avec le doigt, en fait. C'est le doigt sur la gâchette qui me fait la... Je sens que dès que je... Oh, j'ai le doigt raide, en plus. Oh, putain. Ça fait longtemps que j'avais pas joué vraiment comme ça à Elite Dangerous. Et je le paye. Oh, mon Dieu. Vaju, comme diraient les vieux. Alors. Et s'il te plaît, mets-moi dans le bon sens. Merci. Oh, putain. En plus, c'est con, tout à l'heure, à la fin de l'épisode précédent, on avait des missions de combat, ça aurait été intéressant. Au final, je suis allé déjeuner. C'est derrière la planète, fais attention, Marcus. Ok, on y est presque. Je pense que je vais vraiment installer des shaders et des... comme ça, histoire de voir si on peut vraiment rendre le jeu 1000 fois plus beau ou pas. Moi ça m'intéresse. C'est parti. Oui, on est dans la bonne direction, merci. Merci. C'est un plaisir de vous revoir, commandant. Zero Seven, Roger. Hop. On va commencer à me dire que je suis en excès de vitesse, voilà. Hop, c'est bon. Oh. Ça va me faire chier pour 2-3 malheureux kilomètres en plus. Scan detected. T'auras pas le temps de scanner, je serai passé. Ok. On lance, on ouvre le train d'atterrissage. Justement, pas le récupérateur. Hop, les voilà, en douceur. Comme un pro. Même si il y a un truc qu'il faut que je pense à faire à chaque fois, c'est lever le nez. Ok, on était à 804K. Supraconducteur. Apparemment, je vais les vendre bien, je crois. Je vais même les vendre très très bien. Ou très très mal. Ah non, voilà, bénéfice de 276 000 crédits. Et ben voilà. Voilà. On a donc un bénéfice total de combien de pourcents? J'ai mis 804K. On a 1080. 1080 divisé par 804. What? Si, on a, voilà, ça. Je suis con. 1080 divisé par 804. On a un bénéfice de 34%, chers amis. Voilà, ça c'est beau. Ça c'est beau et toc. Voilà. Un bénéfice de 34%, si c'est pas magique ça. Hop, qu'est-ce qu'on a dans le coin niveau mission par contre? Est-ce que c'est revenu à... Je suis sûr que comme c'est le deuxième épisode que je tourne de la journée et que je vais pas en tourner d'autres, je vais avoir des missions de combat. Dis-moi que je me trompe. Non, ça va. Oh, ça va. De 220 000 crédits, c'est pas assez pour la distance, hein, honnêtement. C'est clair.
clairement pas assez pour la distance. Ok. Ok, ok. 220 000 crédits, c'est pas assez non plus. Là, c'est mieux. Mais c'est pas encore ça. Quoique, je pourrais en faire deux d'un seul coup. Oh là là, 2 millions. Deux motherfucking millions. Juste pour voir. Ah, j'en ai pas, il y a pas de mission disponible ici pour le moment. D'accord, ok. Fédération, d'accord. Bon bah écoutez, ce sera chez eux, il faudra que je vienne voir si jamais je veux passer un rang. Hop, vendre la page, 85 000, ça fait toujours du bien par où ça passe. Bon, je pense qu'on devrait peut-être, on va peut-être pas grimper de niveau, non pas encore, on va peut-être passer à 98. Je me vois bien passer à 98%. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode en tout cas. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce-vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, n'a pas trop le lien en arrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop. 99%. Moi. C'est tellement ça en fait. C'est tellement moi, c'est tellement normal pour moi.